Normalement, état de la diffusion, débit. Et ok, on est en direct. Donc, bonjour à tous. Merci. Donc nous sommes à Paris, à côté de Melun, si j'ai bien compris. Donc en présence d'une vingtaine de personnes du Lions Club, des deux Lions Club de Melun. Donc j'ai l'honneur de présenter le projet de l'opération Garder le Cap, qui consiste à soutenir les blessés de guerre. Voilà, on va essayer de faire une petite présentation d'environ 50 minutes. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai le bateau et après le vélo. Mais avant tout ça, je vais me présenter parce que vous ne me connaissez pas tous. Donc, je m'appelle Gwenaël Breton, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants et j'ai un parcours professionnel. Voilà, j'ai fait 22 ans dans l'armée, 11 ans dans le génie. Et 11 ans dans les forces spéciales. Un parcours de deux militaires. Et ce projet-là, ça fait quelques années que je l'ai en tête. Et en fait, j'ai fait déjà beaucoup de choses assez difficiles dans le sport à cause d'événements un peu tragiques dans ma vie. Déjà, ma maman qui s'est suicidée malheureusement en 2007. Après, j'ai eu un accident en entraînement opérationnel, un accident de parachute où j'ai eu 4 fractures à la colonne vertébrale en 2012. Et après en 2016, j'ai aussi malheureusement connu un combat assez violent où j'ai 3 copains, dont 2 qui ont été grièvement blessés, qui m'ont donné encore plus envie de. Qui m'ont donné justement ce sens de la vie, envie de faire des choses, des choses un peu grandes ou vraiment. On va dire, j'ai envie de réaliser mes rêves. Donc justement, l'association, c'est un attrape-rêve et c'est le message que je veux faire passer, c'est dire, voilà, dans la vie, on a tous des rêves, même s'ils paraissent complètement fous, mais il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Et même si, moi, quand j'étais en 2012 à l'hôpital avec mes 4 fractures, le chirurgien, il m'a dit, je ne savais pas, il m'a dit, peut-être que vous n'allez pas marcher, c'est peut-être fini pour vous. Voilà, dans l'effort spécial, on est un peu comme des sportifs de haut niveau. Et finalement, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. En fait, on n'a même pas besoin d'être dans l'effort spécial pour que, on peut glisser. Donc du coup, quand on a des rêves, il ne faut jamais les lâcher. Et même si ça paraît impossible, eh bien, petit à petit, en se fixant des défis ou des objectifs intermédiaires, eh bien, quelque part, eh bien, on avance vers son rêve. Et puis peut-être qu'un jour, on va le réaliser. Et quelque part, c'est mon cas. Moi, mon rêve, c'était de faire un tour du monde. Eh bien, au mois de janvier, je vais partir faire un tour du monde en vélo, en vélo, on le verra après, et à la rame. Et pour préparer ce rêve, eh bien, j'ai déjà traversé l'Atlantique en 2017, du Sénégal jusqu'en Guyane, et j'avais mis 50 jours, alors que j'étais jamais monté sur un bateau, j'avais jamais navigué. Donc du coup, mon rêve qui était complètement fou n'était pas concrétisable. Et aujourd'hui, je peux dire que je peux le faire parce que sur Terre, je sais avancer, que ce soit en courant, en vélo, en roller, tout ce que vous voulez. Et dans les océans, maintenant, je sais aussi avancer parce que j'ai un bateau et je sais ramer. Donc, j'ai appris un peu à naviguer. Donc, voilà. Donc, moi, je fais ça. La cause que je prône, c'est bien, je suis un gueule cassé. Donc, je suis membre des gueules cassées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc les gueules cassées, c'est durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est ceux qui n'étaient pas forcément reconnus par l'État, d'accord, parce qu'ils avaient leurs bras, leurs jambes, mais malheureusement, ils ne pouvaient plus trouver de travail parce qu'ils étaient dévisagés, ils étaient un peu exclus de la société. Et ce sont 3 personnes qui un jour ont dit, on va se prendre en main, et puis ils ont eu l'idée de génie de créer la Loterie Nationale qui est devenue la Française des Jeux. D'accord, et finalement, ils se sont indemnisés comme ça, ces personnes. Et en 2021, ça tombe bien, c'est le centenaire des gueules cassées. Donc, quelque part, et c'est aussi pour dire, des blessés de guerre, des blessés, il y en a encore dans nos conflits d'aujourd'hui. Et du coup, pendant cette année 2021, je veux porter le drapeau des gueules cassées et dire, il y a encore des blessés aujourd'hui, et leur donner de l'espoir en disant, vous aussi réalisez vos rêves, accrochez-vous à vos rêves. Moi, je fais ça à l'extrême, c'est le tour du monde, mais en fait, à chacun sa montagne, à chacun son projet, et c'est parti. Donc voilà pour la petite présentation personnelle. Le bateau qui a déjà traversé l'Atlantique en 2017. Après, rien qui peut me dire, parce que pour pas trop long, on a commencé à 20, on a dit 20 minutes. 20 minutes sur le bateau, 20 minutes sur le vélo. Donc... Encore 15 minutes sur le bateau. 15 minutes sur le bateau, parfait. Donc, pour info aussi, il y a 20 personnes ici,
Donc c'est, on fait plein de tests en même temps. On est aussi en visioconférence avec des membres des Lions Club alentour. Il y a aussi des gens, je sais, à Washington, bonjour. Il y a aussi des gens qui regardent. Salut Nico, j'espère que tu es là. Il y a aussi des gens au Liban parce que j'ai mon chef de projet qui se trouve à Beyrouth. Et je pense un peu partout en France et peut-être dans le monde, on ne sait pas. Donc bonjour tout le monde. Salut Fabien et salut les copains qui sont en mission aussi, s'il y en a qui me regardent, on ne sait jamais. Donc le bateau, 8 mètres de long, l'avantage de ce bateau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est juste du bois. Hein. Donc c'est du bois, pour vous il vous paraît peut-être très grand, mais au final il faut se dire que ça c'est la seule partie où je peux me mettre debout. Ici j'ai une partie couchette. Avec cuisine, salle à manger, c'est un bateau de survie de luxe. Et devant, nous avons de quoi stocker, j'ai de quoi stocker tout ce qui est nourriture, tout ce qui est matériel. Parce que je vais embarquer beaucoup de matériel, vu que l'objectif c'est bien de partager l'aventure de l'intérieur. C'est de faire des direct live comme je suis en train de faire actuellement, avec des moyens satellitaires de haute technologie. Et l'objectif c'est de faire en sorte que vous soyez comme si vous étiez avec moi dans le bateau au milieu des océans. Et ça sera la même chose en vélo quand je vais vous le présenter après. Donc ce bateau a l'avantage, même s'il est en bois, d'être insubmersible. Donc c'est un peu comme un bouchon de liège. Donc imaginez des vagues immenses. Voilà, tant que ça se casse pas, tant que les vagues se cassent pas, au final je monte et je descends au-dessus sur les vagues. Bon, après, si les vagues se cassent, c'est là que ça se complique un peu. Et ce bateau a aussi l'avantage d'être auto-redressable. C'est-à-dire que, en théorie, vu que je vais le surcharger, je vais mettre beaucoup d'eau, je vais mettre des pâtes, du riz, beaucoup d'alimentation aussi. Donc je vais le charger dans le fond, ce qui fait que en théorie il est censé revenir. Après forcément j'ai fait des stages et pour apprendre à le retourner au cas où il ne se retourne pas. En fait la procédure, si je suis enfermé à l'intérieur, j'ai des boudins ici sur le côté, je vais gonfler un boudin et en fonction de la houle par où elle vient, je vais le gonfler dans un sens et je vais faire le hamster à l'intérieur pour le remettre à l'endroit. Donc ça c'est si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'eau qui est rentrée dedans. Parce que forcément s'il y a de l'eau, ça ne va pas être la même procédure, mais tout ça on l'a vu durant des stages qu'on a fait. Donc, insubmersible, auto-redressable et étanche. En fait quand je suis à l'intérieur ici, donc ça je vous ferai visiter après, mais en fait quand je suis à l'intérieur, je suis dans une cabine où l'air ne rentre pas. Donc après j'ai quand même des trappes qui sont, même s'il est retourné avec plein d'eau, je peux ouvrir une trappe et normalement je peux quand même respirer. Donc il faut quand même laisser de l'air à l'intérieur. Mais en fait voilà, c'est vraiment une cabine de survie. Ça fait un peu cercueil, mais quelque part j'ai quand même tout le confort qu'il faut. Et après, d'après vous, c'est quoi le plus important au final quand on est au milieu des océans? Parce que vous pouvez me dire. Être au sec. Être au sec, non. Le plus important, en fait le plus important c'est l'eau, c'est paradoxal. Mais au final, le plus important pour survivre, c'est l'eau douce. C'est de l'eau douce, parce qu'on ne peut pas boire l'eau de mer. Donc au final, c'est pour ça que j'ai des appareils aussi. Donc je charge de bouteilles d'eau, vu que je ne suis pas en compétition, je peux me permettre d'avoir du poids. Mais au final, j'ai un appareil qui me permet de transformer l'eau de mer en eau douce. Donc ça c'est un appareil électrique. Alimenté par panneau solaire, donc un 100 watts à l'arrière, un 10 watts à l'avant, et au final c'est bien le plus important. Et même si ça j'ai un problème d'électricité, j'en ai aussi un manuel. Mais le problème c'est si je fais de l'eau à la main, pendant ce temps là je peux pas ramer, ça me fait perdre du temps et de l'énergie. Donc voilà, l'idée c'est que ça fonctionne à l'électricité tant qu'à faire. Donc ce qui dit aussi électricité dit une gestion et ne jamais tomber en panne d'électricité. En fait le plus important c'est bien le désalinisateur, mais après il faut bien recharger les caméras parce que je veux partager l'aventure, recharger l'ordinateur, tous mes moyens satellitaires, donc l'iridium, et là derrière la boule que vous voyez c'est ce qui me permet de faire du streaming, c'est ça qui va me permettre de faire comme je suis en train de faire du YouTube live et de partager l'aventure de l'intérieur. Donc ça c'est aussi très énergivore. Donc il faut aussi s'assurer de tout le temps avoir de l'électricité. Et ça grâce au panneau solaire. Ensuite, donc la zone où on est debout, c'est bien là. Donc au final, c'est tout simple, hein, c'est assez rustique. Hein. Donc je mets mes pieds ici. Ici, j'ai un siège coulissant et en fait, je vais tout simplement ramer comme ça. Donc l'avant, c'est bien là-bas. Et l'arrière, là, c'est comme l'aviron. Au final, on est à l'envers. Donc j'ai un compas boule, mais c'est bien un compas boule inversé. Parce que le cap que je prends,
même le compas boule, normalement c'est une orientation dans l'espace. Là normalement ça indique 120, un compas boule normal ça dirait 120, 120 degrés c'est là-bas. Donc c'est sud à peu près, 120 degrés. Donc du coup en réalité le sud, ben, c'est bien là-bas. Tu me confirmes Didier? Oui. Donc voilà, donc on rame à l'envers. Et après ben, le plus gros danger au milieu des océans, ben, c'est comme tous les marins, ben, c'est de tomber à l'eau. Donc forcément dès que je vais à l'extérieur, il faut que je sois attaché. Donc j'ai un leash. Et après s'il y a vraiment une grosse tempête, j'ai aussi une combinaison de survie, j'ai un gilet de sauvetage aussi que je peux mettre. Et surtout, donc ça c'est ce qu'on apprend, j'ai fait aussi le stage World Sailing, un peu comme le Vendée Globe, où on nous apprend toutes les procédures et comment fonctionnent les secours en mer. Donc ça c'est une balise Argos, j'en ai une pour le bateau. Et après j'en ai aussi une sur mon gilet de sauvetage que je mets dans ma combinaison de survie au cas où je suis pris dans une grosse tempête. Et voilà, le but c'est de ne pas l'utiliser, que c'est l'utilisation de ça déclenche les secours. En fait c'est le bateau qui est le plus près qui va se dérouter. Et l'idée c'est de ne pas l'utiliser. et en fait j'ai dit j'en ai deux. Donc et pareil, donc ça c'est à utiliser qu'en cas d'urgence vitale. Voilà, si c'est juste un mal de ventre et que je me fais récupérer, bah, au final, bah, tous les déplacements que j'aurais fait, ça m'acharge. Donc, on va éviter et j'espère ne jamais l'utiliser cet appareil. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur le bateau? Pour manger, donc, j'ai quelques rations lyophilisées, j'ai des pâtes, du riz, mais au final, je peux faire chauffer que de l'eau. Voilà, sur le bateau, parce qu'on ne peut pas cuisiner hein, forcément, vu que ça bouge en permanence. Donc je peux cuisiner, voilà, je peux faire chauffer que de l'eau et aussi je peux pêcher. Enfin, moi j'ai pêché sur ma première traversée, et là je pense que je vais repêcher. Et ça fait partie de la préparation aussi. J'avais appris à cuisiner le poisson dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire, parce que c'est du sport, hein, juste pêcher. Je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube de la première traversée que j'ai fait. Donc pêcher, c'est sport. Mais après cuisiner, enfin il faut tuer le poisson. Donc j'avais appris avec un Stéphane Laguette de la plancha du pêcheur. Salut Stéphane, il doit peut-être regarder. Et en fait il m'avait appris à manger le poisson cru, faire du carpaccio. Et tout ça c'est du luxe au final. Et ça c'est des moments qu'il faut apprécier. Donc manger le poisson cru. Soit on avait préparé des sachets de sel et faire cuire le poisson dans du gros sel. Ou soit on avait trouvé la technique, c'est on mettait de l'eau chaude dans un biberon et une papillote d'un filet de poisson qu'on faisait bouillir et ça avec des pâtes et du riz, ben voilà. Et ça c'est des moments magiques, ça veut dire, je sais pas, comme quand on va en montagne, ben, quand on est au sommet de la montagne, juste un morceau de saucisson, un petit verre de vin rouge, tout de suite c'est démesuré. Ben, moi pour l'anecdote, une boîte de petits pois, ben, le petit pois c'était du caviar. Et le jus, c'était du jus de goyave, quoi. C'est tout est magique et c'est ces moments-là qu'on apprécie, même dans la difficulté. Donc voilà. L'intérieur, si vous voulez vous approcher ou après on fera le tour. Mais en fait, à l'intérieur, donc j'ai bien une couchette. Donc j'ai une couchette, ça je vous invite à voir. Et en fait, j'ai quand même l'électricité. Mais après l'électricité, je peux pas l'allumer en permanence. Donc imaginez-vous en plein milieu des océans, dès là, il n'y a pas de lumière résiduelle. Donc quand c'est nuit noire, c'est noir total. Et avec les vagues qui tapent contre le bateau, ça fait puissance 10. Donc c'est impressionnant. Donc moi j'ai eu la chance, je me suis pas retourné sur ma première traversée dans le Pacifique Nord. Par contre, je m'attends à être un peu secoué. Voilà, donc je rajouterai une ceinture de sécurité pour être attaché dans cette machine à laver. Mais bon. Et donc j'ai une petite cuisine. J'ai le dessalinisateur qui stocke 5 litres d'eau et en fait avec ces 5 litres d'eau, j'ai une pompe où je vais utiliser mes bouteilles en priorité ici et en fait les remplir à chaque fois. Voilà, comme ça si un jour ça tombe, j'aurai tout le temps mes bouteilles qui sont pleines. Et après j'ai un petit coin bureau et j'ai un deuxième compartiment étanche où je vais mettre tous mes moyens sensibles, c'est-à-dire tout ce qui est électrique. Mais même si ça c'est pas censé prendre l'eau, ben, on sait jamais, un jour ça peut prendre l'eau et du coup j'ai quand même une deuxième protection. Voilà, et après, mais tous les jours, j'ai un routeur. Et d'ailleurs, le bateau va partir avec Jean-Marc, va partir avec un ami qui va traverser là. Je vais partir avec lui la fin de semaine prochaine ou la suivante, je ne sais plus exactement la date. Et en fait, lui va traverser l'Atlantique avec ce bateau, des Canaries jusqu'à la Martinique. Et en fait, l'idée, c'est...
c'est, il va porter la bannière Opération Garder le Cap aussi pour les blessés de guerre. Et au final, c'est quand il va arriver en Martinique, il va mettre le bateau dans un conteneur maritime pour l'envoyer au Japon. Et moi, vu que je pars en janvier, ben, le bateau sera déjà arrivé au Japon. Voilà. Et du coup, aussi, il partagera l'aventure et nous relayerons son aventure dans le cadre de l'opération Garder le Cap. Voilà pour le bateau. J'ai été assez vite, j'espère. Ça fait, ah ben là, ça dit 15 minutes 49. Est-ce que vous avez quelques questions? Je peux répondre à une ou deux questions, déjà, avant de basculer sur le vélo. La bâche qui est sur le côté, ça sert à quoi? La bâche qui est sur le côté. Donc ça, c'est les fameux boudins que j'ai dit quand on s'est retourné et qu'il ne veut pas se remettre à l'endroit. Donc c'est un boudin de 400 litres d'air qui va permettre de donner un appui au bateau pour nous aider quand on fait le hamster à l'intérieur pour le retourner. Donc là, c'est de la ficelle, c'est pour le transport. Mais en réalité, je vais mettre de la laine. Donc c'est quand on va gonfler de l'intérieur, la laine va casser et ça va déployer ce coussin. Après, il faut pomper. Vous voyez que c'est un peu... c'est très étroit à l'intérieur. Mais voilà, l'objectif c'est de pomper et pour si on est à l'envers, c'est pas très agréable. quand tu rames, est-ce que tu arrives à atteindre combien en nœud? En nœud, ça va de 1,5 à 2 nœuds. Voilà, donc c'est pareil, on me posait la question. Quand tu rames contre des courants, parce qu'au bord des côtes, t'as quand même pas mal de courants marins. Ah ouais, les courants. Ouais, donc au final. Avec ce bateau-là, on ne peut pas aller à contre-courant. Enfin, c'est justement une traversée des océans. C'est surtout stratégique. Donc là, pour ça, on bénéficie justement, Jean-Marc et moi, des conseils des rameurs d'océan. Donc c'est JP Abol qu'on est le président. Et au final, ce sont des mecs qui ont beaucoup d'expérience. Et en fait, voilà, donc dans la team, on dit qu'on fait sans escale, sans assistance, en autonomie totale. Mais il y a bien quand même une assistance à terre pour tous les jours nous dire voilà, il faut prendre tel cap, aller d'un point A à un point B. Et en fait, c'est bien stratégique. Voilà, on ne rame pas comme des fous pour avancer. S'il y a un contre-courant, voilà, on peut faire marche arrière au final, si on n'est pas dans le bon courant. Donc en fait, c'est stratégique et c'est bien l'objectif, c'est bien de s'axer dans les meilleurs courants pour avancer. Voilà. Pourquoi le choix du bois? Alors ça c'est... En fait il y a 30 bateaux qui existent au monde. Celui-là c'est le 30e. Il a déjà fait la traversée avec Olivier Montiel, ce qui était un Ardéchois, qui lui a construit ce bateau. Mais c'est un bateau qui est en kit et effectivement il est en bois. Parce que ça je peux pas vous dire. Après, voilà, on pourrait le faire en matériel plus performant pour de la compétition. Mais en fait nous c'est bien l'esprit aventure et après... voilà, au final, on n'a pas, moi, j'ai pas trop de sous, donc, voilà. Et puis, on n'est pas, moi, je suis pas en mode de compétition. Dans tous les cas, bah, tous les 30 bateaux, ils sont en bois et c'était pour une course qui existait à l'origine, mais qui n'existe plus. Voilà, peut-être que quelqu'un reprendra un jour cette course qui consistait de traverser justement du Sénégal à la Guyane. Et c'était, il y avait une jauge et les bateaux devaient être équipés de telle manière. Et au final, c'est le même bateau que d'Abouville, que Gérard d'Abouville, mais qui, voilà, qui a été un peu amélioré au fil des traversées. Je suggère qu'on... Encore une question. Ouais, je suggère qu'on... Ça fait 20 minutes. 19 minutes. Je suggère qu'on bascule sur le vélo. Vous êtes d'accord? Et je pense que sur YouTube, d'ailleurs, ils peuvent poser des questions sur le téléphone. Mais je ne sais pas si je vois, en fait. Si on voit, non. Bon, allez, on bascule. Et voilà, évidemment, j'ai pas présenté, mais les rames. Il y a les rames, il y a trois paires de rames. Voilà, si jamais j'en casse une, parce que justement, un retour avec une vague, on peut les casser. Donc non, les rames, elles sont en fibre. Et donc c'est assez, assez costaud, j'en ai pas cassé. Mais il y en a trois paires au cas où on en perd une, si on se retourne. Donc elles sont bien attachées. Tout ce qui est à l'intérieur, évidemment, est attaché. Dès que je sors, voilà, même à l'intérieur, pour pas se prendre quelque chose sur le visage, en fait, on attache tout, absolument tout. Voilà. Et pour ramer, c'est le même principe que l'aviron, c'est-à-dire que le siège se décale. C'est le même principe. Oui, en fait, voilà. Moi, j'ai une planche en bois avec des platines de roller, un coussin anti-escar et en coulisses. Donc, c'est bien bras, dos, jambes, dos, bras. On fait la technique. Sauf que la différence avec un appareil, un appareil normal, c'est que. Voilà. Allez, on bascule de l'autre côté. Et encore merci Didier, c'est juste royal quoi. À Paris, bonjour. À
assistante Camille. Oula, ça on va pas trop montrer tout ça. Si. Ah si, donc nous avons Rémi. Bonjour. Voilà, qui nous offre, donc c'est le fils à Didier, et qui nous offre le repas, enfin le petit... Des tacos. Des petits tacos. Tacos à la mexicaine. Tacos à la mexicaine. C'est quoi ta société? C'est Casa Azul. Casa Azul. Donc voilà, bah, une petite pub également pour Casa Azul et Rémi qui est... Merci. On est le patron. Voilà. Hop. Le cuisinier. Hop. Ah. Si vous pouvez, attendez, on va. Si vous pouvez vous mettre ici, comme ça. Ouais, oui. Attention, pas de mettre sur le son. 21 minutes 29. C'est bien, ça me met le temps en plus. Jean-Pierre ? Oui ? Bon, je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau. Hier soir, j'ai fait un petit coup. Elle était à 10 degrés. Hein. Ah oui, il faisait 3 degrés à l'extérieur. Ça, fait, ça raffermit les chairs, comme on dit. Donc, voilà, donc sur le bateau, comme je l'ai dit, l'objectif, bah, sur le bateau comme sur le vélo, l'objectif, c'est de vous emmener avec moi et vous faire vivre en temps réel l'aventure. Donc, quelque part, c'est ça qui coûte cher. Là, j'ai déjà quelques partenaires. Mais dès lors qu'on veut, voilà, je pourrais le faire tout seul, faire mon aventure et faire un livre, un film après, enfin j'en sais rien si je vais faire ça, mais l'objectif c'est bien vous le faire vivre alors que je suis au milieu des océans, et quelque part c'est là la complexité, et c'est ça qui coûte cher, parce que c'est les budgets, enfin voilà, une liaison satellitaire pour envoyer de la vidéo, enfin c'est terriblement cher. Malgré tout, ben, j'ai quand même tous les moyens, justement par rapport à l'expérience de cette première traversée. Je me suis dit, bah, à l'extérieur, voilà, il y a mon quotidien, manger, faire pipi, caca, ramer. Bon, on est un peu limité. Parce que, et après, le paysage, bah, c'est quelques couchers de soleil. Et encore, on ne les apprécie pas trop parce que ça monte, ça descend. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont sympas. Mais après, c'est surtout... voilà, c'est moi ce que je pense que j'ai manqué dans ma première traversée, c'est sous l'eau. Quoi. Et sous l'eau, il y a une vie, c'est magique. Et donc, bah, l'idée, c'était de partager... de ramener les images, pas de les ramener, c'est de vous les envoyer, c'est-à-dire faire les pré-montages. Voilà, pour vous donner un titre d'exemple, il y en a, ils disent voilà, c'est super long, j'ai mis 50 jours, t'as dû te faire chier. En fait, en réalité, j'ai manqué de temps parce que pour faire une vidéo de 1 minute ou 2 minutes, ben, déjà il fallait que je rame, hein, évidemment. Après, il faut manger, il faut se laver, il faut aller sous le bateau pour enlever les coquillages toutes les semaines. Il y a quand même quelques tâches. Vu qu'on va pas vite, les coquillages s'accrochent. Et au final, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au début, il y a le plancton, il y a les petits coquillages. Les coquillages attirent les petits poissons, les plus gros. Et au final, il y a toute une vie qui se crée autour du bateau. Et ça, c'est génial. Et du coup, Et pour faire une vidéo qui dure une minute, ou voilà, moi, en réalité, c'est 3 jours de boulot. Quoi. C'est-à-dire prendre les vidéos, transférer ces vidéos avec la carte SD dans l'ordinateur, faire un pré-montage, compresser cette vidéo et l'envoyer par satellite. Donc imaginez tout ça dans des conditions extrêmes. Donc voilà, je me rajoute de la difficulté, mais quelque part c'est bien ça aussi qui psychologiquement va m'aider, parce que du coup j'ai l'impression de ne pas être tout seul, parce que j'embarque des gens avec moi, et quelque part ça va aussi m'aider psychologiquement. Et avec l'objectif justement d'inspirer les blessés et de leur faire vivre une aventure et leur donner envie de vivre aussi leur aventure. Donc pour ça, bah, cette fois, bah, j'ai un drone sous-marin, enfin un drone volant. Ce drone, c'est un splash drone. Il a l'avantage, c'est qu'il se pose sur l'eau et il redécolle de l'eau. Parce que même pour faire décoller un drone sur mon bateau, vu que ça bouge tout le temps, c'est compliqué. Et le faire atterrir, c'est pas possible. Et après, si j'ai une panne aussi, bah, justement, là, cette fois, je n'avais pas pensé le premier coup, mais je vais l'attacher avec un émerillon et un plomb. Et le faire voler, et même s'il tombe en panne, je pourrais le ramener. Donc voilà, ça, parce que la première fois, bah, il fallait le poser, je l'ai posé, il faut bien éteindre les hélices, parce que si tu récupères ton drone, tu te coupes un doigt, mais voilà, pour cicatriser, voilà, la moindre blessure peut prendre des grosses proportions au milieu des océans. Donc du coup, cette fois, j'enverrai et je ramènerai des images en l'air et de sous la surface de l'eau. Et après, j'ai encore acheté un autre drone qui est le Gladius.
Et lui, l'avantage, c'est que, voilà, imaginez, je vois une baleine ou je vois des chasses de poissons, les oiseaux qui plongent, parce que même au milieu des océans, il y a des oiseaux. Au final, moi, je ne savais pas, je pensais qu'il n'y en avait pas, mais même au milieu des océans, il y a des oiseaux. Et en fait, l'idée, c'est de... Eh bien, j'ai 50 mètres de fil, c'est un drone filo-guidé, et je pourrais faire des images aussi de sous l'eau avec des perspectives, mon bateau. Voilà, donc, et ça, c'est des images qui peuvent être émises aussi en direct. Donc voilà. Et après, pareil, par rapport à l'écologie, je sais que dans le Pacifique Nord, il y a les îles de déchets, comme on dit là, les îles de plastique. Enfin, voilà, tout ce que je peux rencontrer, voilà, ça va me permettre de le partager et de vous dire voilà, comment ça se passe au milieu du Pacifique Nord. Donc ça, c'est sur le bateau. Donc les moyens technologiques, pas mal. Ensuite, on va passer sur le vélo. C'est normal, c'est sûr. État de la diffusion. Non, mais ouais, allez dire. Faut peut-être arriver à mettre un verre sur le téléphone pour que ça passe mieux. Monter sur le téléphone, peut-être qu'il va mieux. Que c'est le signal. Ici, c'est mieux. C'est mieux, non ? Il était bien, il était comme ça. Ça fait combien de temps ? 26 minutes. Ah, on est pas mal. Après, on pourra reposer les questions. Comme ça, je fais au moins pour les directs. Donc, le vélo. J'en suis vraiment très fier. Voilà, au final, c'est un peu comme les forces spéciales. Nous, on appelle ça les patrouilles SAS, héritiers du 22e SAS, qui sont dans l'autonomie et qui adaptent leurs véhicules pour durer longtemps dans le terrain en complète autonomie. Et au final, ce vélo, qui est, voilà, c'est une base tchèque. Donc j'ai choisi un vélo couché. Et d'après vous, pourquoi j'ai choisi un vélo couché et pourquoi pas un vélo normal? Plus reposant, enfin, la fatigue, enfin, je veux dire, le fait d'être dedans. Ouais, déjà, c'est plus confortable. En fait, je m'imaginais mal, je sais pas, moi, déjà, au bout d'une demi-heure, le cul sur une selle, j'en peux plus. Déjà, j'ai passé. Déjà, je suis quand même assis. Au final, voilà, c'est beaucoup plus confortable. Et finalement, donc, le vélo, la base existe. C'est une base, je l'ai acheté en République tchèque. Après, je l'ai fait adapter par quelqu'un, Déclic Eco, à Marseille, qui adapte en assistance électrique, donc avec une roue arrière, avec un moteur électrique. J'ai 2000 watts et alimenté par un panneau solaire de 2 fois 120 watts. Donc, j'ai 240 watts. Qui me permet d'avoir une autonomie d'environ 400 km par jour. Donc ça, c'est avec une utilisation, on va dire, avec une gestion de l'utilisation, c'est sûr, en pleine puissance, ça ne durera jamais 400 km. Après, j'ai l'inconvénient, c'est que je vais partir en hiver, donc du coup, je ne serai pas dans les conditions optimales pour recharger. Et au final, je peux, on a adapté dessus, après, un système quand même, enfin le chargeur, je m'interdis pas de me brancher chez les gens si jamais je manque d'électricité. Ouais. Voilà, parce que si j'ai plus d'électricité, le vélo, on l'a pas pesé encore fini, parce qu'il n'est pas encore intégralement fini, mais il y en a, il est pas loin des 50 kg, je pense, quand il sera tout chargé. Donc avec les mêmes problématiques, encore plus de problématiques que sur le bateau au final, parce que je peux pas emmener, je peux pas partir avec 4 mois de nourriture. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me recomplète sur le terrain. Donc, et dernière petite modif qu'on a fait dessus, c'est vu que je vais partir dans le froid et que moi j'avais en tête, j'avais une problématique, c'était trimballer une tente, d'avoir un lieu et planter sa tente, trouver un lieu adéquat pour planter sa tente. Au final, pour moi, c'était pas optimal. Et du coup, on a réfléchi avec deux sociétés de Bayonne, enfin du Pays Basque, à Saint-Martin-de-Seignan. Donc c'est Atec Service et Casicamp. Donc c'est un mec qui fait des aménagements de voitures pour les transformer un peu en camping-car, enfin voilà, des voitures aménagées. Et en fait, ce sont deux génies. Et ce vélo-là, du coup, n'est plus juste un vélo, et c'est un vélo qui se transforme en lit et en tente. Donc du coup, j'ai plus besoin de chercher un endroit, ça veut dire que même au milieu de... Enfin, je suis fatigué, même si j'ai pas d'endroit, mais je vais déployer mon vélo, le transformer, et je vais pouvoir dormir à l'intérieur. Donc, voilà, même sur un trottoir, n'importe où, je peux déployer mon vélo et je suis à l'abri. Et il y a encore un avantage, c'est que je suis plus serein, ça veut dire on va pas me voler mon vélo, je suis dedans, j'ai mon matériel à l'intérieur, j'ai pas besoin de tout décharger à chaque fois. Donc, c'est mon vélo et ma maison ambulante. Donc c'est un prototype unique au monde. Donc après,
je suis... voilà, on a déjà rajouté un petit pare-brise. Comme j'ai dit, je vais partir en hiver, donc c'est, ça va me couper un peu du froid qui va rentrer dedans. Donc tout ça, c'est vraiment fait sur mesure. Donc merci Sylvain et David d'ailleurs si vous regardez. Voilà la position. On pourrait croire que c'est stable, mais ça ne l'est pas. Donc et surtout vu qu'il y a une assistance électrique à vide en appuyant en appuyant sur les pédales, on peut aller jusqu'à 50 km/h. Voilà, ce qui est énorme. Et bon, ça c'est en pleine puissance, donc évidemment j'irai pas à 50 km/h. Si je fais une moyenne de 30 km/h, c'est déjà énorme. Donc voilà, donc le guidon ben, c'est comme ça. On tourne comme ça et on pédale et voilà. Et dessus, ben, j'ai les rétros, les caméras, la musique. J'ai une balise Silex qui permettra de voir ma position en temps réel sur le site internet. Et qu'est-ce que je peux dire? Et je fais ma navigation avec le téléphone au jour le jour ici. Et on a rajouté, enfin, j'ai rajouté en plus des clignotants à l'arrière. Voilà, parce qu'au final, je prends un peu de place. Donc, d'un point de vue sécurité, voilà. Mais je pense que je vais éviter de rouler la nuit en tout cas. Voilà. C'est, beaucoup me disent, voilà, c'est le bateau et tout ça, c'est ça qui surprend le plus en général, que c'est dangereux. Moi, pour moi, la partie la plus dangereuse, c'est bien le vélo, parce que voilà, les voitures. Ouais. Et je peux même dire que je pense à Paris, j'ai pris énormément de risques et, en venant avec mon bateau. Et ouais, pour moi, le plus dangereux, là, c'était de venir à Paris avec mon bateau, avec les accidents de la route, au milieu des océans. En fait, voilà, tout est relatif dans la vie. Et, donc, moi, pour moi, j'ai. Le vélo, c'est une partie qui est assez dangereuse, donc on va essayer de prendre le moins de risques possible. Je vais essayer de le transformer assez rapidement. Donc ils m'ont montré il n'y a pas longtemps et il n'est pas intégralement fini, comme je vous l'ai dit. Donc déjà, même en roulant, oui. J'ai des bâches protégées sur le côté. Donc là, vous avez vu aussi là, il y a les batteries là. Donc on les a protégées parce qu'avec le froid, là, les batteries, elles n'aiment pas trop. Donc je pense qu'on va encore les protéger. Donc là j'ai deux batteries ici et j'ai les porte-bagages derrière qui seront pour mettre l'eau, la nourriture et de l'essence. L'essence c'est pas pour un moteur, c'est que voilà, je sais pas si vous savez, mais le gaz on n'en trouve pas partout dans le monde. Par contre de l'essence on en trouve partout dans le monde et en fait mon réchaud ça sera un réchaud à essence. Voilà. Et je m'interdis pas de m'arrêter chez les gens comme j'ai dit, non seulement pour partager, faire des vidéos, mais aussi pourquoi pas me laver aussi, voilà. Et en vêtements, bah, je partirai juste avec un slip et un t-shirt de rechange, voilà, il faut que je sois le plus léger possible. Et des vêtements chauds. Donc ça déjà c'est une amélioration. Essayer de faire plus vite. Donc tout ça est fait sur mesure. Donc là vous voyez, déjà, je peux l'utiliser même en roulant. Donc ça va me protéger du froid. Après la contrainte, bah, c'est le vent. Voilà, avec le vent, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et le nettoyage. Comment? Le nettoyage, de temps en temps. Le nettoyage, ouais, t'es vie. Parce que là, c'est tout propre. Mais... Là, c'est tout propre, mais nettoie. Normalement, ça devrait le faire. Donc bah, l'avantage par contre ça va vraiment me protéger du vent et puis si j'ai le vent derrière par contre ça peut m'aider aussi. Donc ça fait une prise de vent. Donc ensuite, je vais desserrer ça. Je vous demande. Donc là on va dire je me suis arrêté quelque part. Et bien je vais le déployer en lit pour dormir. Donc déjà, il y a des freins à main. Donc quand une voiture, quand on change un pneu, je mets le frein à main. Donc là, les freins à main, il est mis. Là derrière, comme un peu comme les véhicules de ville, je le stabilise. Donc j'ai des petites cales pour l'arrière. Déjà. Voilà. Donc du coup, il est déjà plus stable à l'arrière. Ensuite, ce fameux pare-brise. Mais pas juste un pare-brise. Hop, je fais ça. Normalement. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Lui qui n'est pas assez desserré.
Hop. Ok, là on commence à comprendre le principe. Ok. Voilà. Donc mon fameux pare-brise, il va déjà empêcher l'air de passer ici. Je resserre tout ça. Et après, dans mes bagages, j'ai un duvet fait sur mesure, enfin pas un duvet mais un matelas fait sur mesure avec une, à l'intérieur une matière qui empêche le vent de passer par dessous. Et au final, je vais passer ça. Alors, ça, il va falloir que je m'entraîne hein, pour aller là. Et je pense que j'ai largement le temps de m'entraîner. Pareil, il y a des gens qui me disent on ne voit pas trop faire du vélo, on ne voit pas trop ramer. Déjà monter un projet comme ça, c'est oui. Plus de l'administratif d'abord que voilà pour démarcher des sponsors et tout ça. Enfin, c'est énormément de boulot, création des sites internet, vendre le projet, communiquer justement pour créer ce mouvement de solidarité au profit des CTA. Et au final, j'aurai le temps de ramer, j'aurai le temps de pédaler pendant un an. Et au final, c'est voilà, beaucoup de gens ont peur de. Bah, c'est la distance globale qui fait peur, mais au final, au début, c'est dur. Et son corps, mon corps, il va s'habituer, et plus j'irai dans le temps, mais au meilleur, enfin, plus je serai à l'aise, quoi. Donc, voilà. Et en vélo, ça va représenter combien de milliers de kilomètres? Ah, ça. Donc, il y a un truc qui est écrit là. À 18 000. 18 000. Bon, à peu près, hein, oui, oui, oui. Je me suis fixé un plan de route, mais en fait, je me suis fixé qu'une seule règle. C'est de m'en fixer aucune. Oui, oui, oui. Et surtout que là, avec le Covid, avec. Il y a plein de paramètres qui sont en ligne de compte. Et après, j'ai un chef de projet, justement, qui me conseillera. Bah, l'itinéraire, il faut l'adapter. Peut-être qu'il faudra que je rencontre des gens sur le parcours. Donc, l'idée, c'est de m'adapter en permanence. Et quelque part, c'est quelque chose qui est une valeur, quelque part, d'effort spécial pour réagir au mieux à toute situation. Ouais, savoir s'adapter. Et savoir s'adapter. Comme je dis, il faut que je m'entraîne. Bon. Voilà l'idée. Donc après, je resserre tout, je tends les sangles dessous. Et voilà mon lit. Donc là, jusqu'à présent, il y a ça. Là, ça, c'est ma petite boîte quand j'arrive quelque part. Mes chargeurs pour recharger tous mes appareils, des petits ballons. Donc après mes appareils, je peux être autonome parce que avec mes 2000 watts d'électricité, là j'ai deux prises USB, je recharge en permanence mon téléphone, mes caméras, et du coup j'ai des moyens beaucoup moins importants quand même que sur le bateau. Mes moyens sont réduits, je vais vous les présenter après. Et cette petite boîte étanche, donc on pense à l'étanchéité, au final c'est aussi mon. Donc là je vais rajouter un petit coussin dessus, et c'est avec ça, on va fabriquer un petit auvent, comme sur les vannes. Donc ça, comme ça, tendu. Là, je peux être ici. Et là, avec mon ordinateur, je vais pouvoir faire mes montages vidéo. Et donc, en fonction du vent, je me mets où je veux, je le mets dans le sens que je veux. Et au final, avec ça, ça me permet de m'abriter. Ça veut dire que la partie de ton corps, une moitié est à l'extérieur. Non, il n'est pas fini. Ah, donc là on en est rendu là dans la conception du vélo. Et au final ici, il y aura deux rails que je vais tirer. D'accord. Et ça sera une cabine fermée et noire. Parce que si je m'arrête au bord de la route, il peut y avoir des phares de voiture et tout. Donc en fait, cette partie-là sera fermée et noire. Donc c'est juste deux barres et la bâche qui vient et qui vient fermer tout le contour là. Donc voilà pour. Donc là il n'est pas fixé, mais après une fois que c'est tendu dessous, ça bouge pas quoi. Le fait qu'il soit fixé derrière et devant. Donc voilà, le fameux vélo qui se transforme en lit. En maison, et je pense que. Et le devant est couvert comment alors? Il est pas tout à fait fini. Je tends deux barres. Il a des barres encore. Ah d'accord. En fait c'est deux barres qui vont venir ici et on va le fermer ici après. Totalement. Voilà. Et après j'ai juste à m'enfermer à l'intérieur. Et je dors et j'ai tout mon matériel, on peut pas me piquer le vélo et n'importe où je m'arrête. Bah, comme ici je pourrais dormir ce soir, t'as qu'à dormir dedans Didier ce soir. Ouais, mais alors attends,
il faut avoir une bonne taille quand même. Oui, mais c'est bon ça. Ah, mais moi, c'est bon, mes pieds ils arrivent là. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est rustique, mais c'est un lit de camp au final. Hein. C'est un lit de camp. Et encore une fois, je suis isolé du sol. Dormir par terre dans une tente, je pense que c'est encore même plus confortable que de dormir dans une tente. Donc, on va rajouter de la sécurité. Là derrière, on a mis une pancarte avec. Mais bon, on va rajouter encore plein de rétro-fléchissants pour être encore mieux visible sur la route. On va dire. Une de mes craintes, ouais, c'est l'accident de la route. Hein. Tu vas porter un casque ? Non, il n'y a pas de casque là-dedans. Non. Mais donc après, ça c'est vélo et en accessoire. Et du coup, il y a besoin de beaucoup moins de choses. Pour partager l'aventure, j'aurai le petit drone Mavic Air 2. Donc pareil, avec ça, on fait des images super. Donc l'objectif, c'est dans les paysages que je vais traverser, c'est de vous envoyer ces images-là. En fait, jusqu'à la Hongrie à peu près, le réseau GSM, ça passe super. Mais après, si ça passe plus, j'ai un moyen satellitaire de secours et je peux quand même envoyer des images avec un petit Iridium Go. Donc ça, c'est aussi un petit moyen satellitaire. Et après, les photos, j'ai plein de... mais cette fois, forcément plus petit par rapport au bateau, parce que l'emport est beaucoup plus restreint. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est une petite suggestion. Pourquoi tu mets pas un grand drapeau, tu sais, pour qu'on le voit de loin ? Parce que souvent, on voit des gens sur le bord de la route, qui souvent, des fois, c'est un peu des handicapés. Sur le côté, mais je trouve que c'est bien d'avoir un drapeau, tu vois, au moins 2-3 mètres de hauteur, avec un truc rouge, parce que quand tu es en voiture, tu t'aperçois... Ouais. Ouais, même avec du rétro réfléchissant dessus. Voilà, c'est bon. Ouais. Non, je vais rajouter un drapeau. Hein. Je vais rajouter ça. Ouais, c'est encore en mode conception, mais là ça commence déjà à être abouti. Et voilà, on dirait même que c'est tellement c'est bien fait, on dirait que c'est conçu, voiture. Une usine. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça vous... Ah bah, si, c'est ingénieux. C'est complètement ingénieux. Complètement. T'as des pneus de secours ? Forcément, après j'ai des kits sur le bateau. Oui, oui. Dans ma préparation, là, à chaque fois, ils disent non, c'est pas que ramer, j'ai appris à me recoudre tout seul. Après, il y a mon boulot qui fait ça aussi. Oui, apprendre à se recoudre, les réparations de base. Et donc là, j'ai un kit de réparation, un kit de survie, un kit pour manger. Oui, enfin, il y a plein de kits de couture. Oui. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et tu as là quand tu vas faire un vélo, tu as des points en relais à différents endroits où tu as des rendez-vous à prendre, être précis sur les dates. Là, j'ai déjà annoncé mon plan de route global et en fait ça se fera au fur et à mesure. Au final, l'aventure c'est ça, je veux pas un truc qui soit planifié, Je sais que je vais rencontrer des difficultés, je sais que je vais crever, je sais que... Et au final, c'est... pas trop programmé pour que ça devienne... Enfin, que ça soit une vraie aventure, pas un truc programmé, parce que dans tous les cas, tout ce qu'on programme... on me dit la logistique, ça doit être monstrueux. Oui, il y a des bases qu'il ne faut pas négliger, surtout la sécurité en priorité. Mais après, moi, c'est le bateau à cheminer de la Martinique au Japon. Après, il faut que je renvoie mon vélo, une fois que j'arrive au Japon, il faut que je renvoie dans une caisse aux États-Unis. Après, aux États-Unis, il faut que je mette mon bateau sur une remorque. Voilà, ça c'est la logistique, il faut la préparer. Mais après, dire je vais faire exactement ça sur tout le parcours, c'est impossible. Voilà, donc comme on dit, déjà, il faut... En vélo, tu penses faire combien de kilomètres par jour ? Non, mais là, je pars sur une base de 150. Voilà. Je pars sur une base de 150. Pour mieux être, après, si je peux faire 200, je fais 200. Et encore une fois, ça sera de l'appréciation à l'instant T. Si j'ai mal au genou, je vais faire un peu moins pour continuer. Si je vais bien et que il n'y a rien au bout de 150 km et que je sais qu'à 50 km plus loin, il y a quelque chose, je vais pousser un peu. Voilà, mais l'avantage, c'est que je ne suis pas... J'ai aucune obligation. Même là, j'ai planifié sur un an. Mais si je mets 2 ans, je mets 2 ans. Parce que c'est le rêve de ma vie. Et l'objectif, c'est bien d'aller jusqu'au bout et de me mettre dans les meilleures conditions pour aller jusqu'au bout. Mais après, ça sera de l'adaptation en permanence. Mais j'avancerai dans tous les cas, tous les jours. Et après, ça ne sera pas si physique que ça. En fait, c'est comme l'ultra-trail. L'ultra-trail, c'est... on va gérer son effort... On va gérer son effort pour aller jusqu'au bout, donc moi je vais
vais m'économiser un maximum pour pouvoir faire ce tour du monde en entier. Donc, avec une bah, le parcours, je ne l'ai même pas dit. Au final, c'est... Si, je l'ai dit au début quand même. Je pars de Bayonne. De Bayonne, je vais jusqu'au Japon. Je vais jusqu'au Japon avec ce vélo. Tu passes par quel pays, pardon ? Donc les pays, c'est Italie, Slovénie, Hongrie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Chine, Corée du Sud, Japon. Donc je remonte un peu bien au-dessus de la mer Noire. En fait, j'essaye de suivre le 43e parallèle. Voilà, qui essaie d'éviter les endroits un peu tendus. Donc voilà, ouais, je contourne et après, bah, si, pour le moment, c'est planifié comme ça, mais s'il y a des contraintes, des pays fermés, bah, je contournerai. Mais dans tous les cas, j'avancerai tous les jours au même titre que quelqu'un va tous les jours au travail. Voilà, et je pense qu'il y a même des gens qui vont faire, qui en font beaucoup plus que moi tous les jours hein, en s'entraînant comme des acharnés. Donc moi, je vais faire. Voilà, je vais juste pédaler ou je vais juste ramer, mais tous les jours, je vais avancer. Et au bout du compte, bah, je vais faire ce tour du monde. Sans me mettre dans le rouge. De pression. Donc après, de pression, Japon, traversée du Pacifique Nord. Donc c'est là que c'est le plus délicat. C'est là que je me suis mis normalement dans les meilleures conditions pour partir. Voilà, qui est la période, c'est juin, on va dire. Avril, juin. Donc je devrais arriver en avril, le temps de préparer le bateau. Traverser le Pacifique Nord. Donc là, je me réfère à Daboville qui a mis 124 jours. Donc je pars sur une base de 120 jours. Mmh. Et après, j'arrive aux États-Unis. Traverser des États-Unis de San Francisco jusqu'à New York. Donc là, l'idée, c'est de faire un relais avec les vétérans et les blessés de guerre américains, un peu à la Forrest Gump. Et arriver à New York, en dessous, il y a une ville dans le New Jersey qui s'appelle Bayonne. Et en fait, ça serait de faire Bayonne. Donc voilà, par l'Atlantique Nord. Donc là aussi, ben, ça dépendra de la période, mais si c'est comme planifié, c'est la plus mauvaise période pour traverser l'Atlantique. Mais voilà, rien n'est possible, quoi. Et arriver à Bayonne, en théorie, j'espère, pour 2022, début 2022, fin 2021. Donc voilà, donc c'est bien dans le cadre du centenaire des gueules cassées, sur un an. Et donc ça, c'est bien l'opération garder le cap, ça c'est bien juste le tour du monde, c'est juste la vitrine. Et derrière tout ça, l'idée, c'est de réaliser plein de défis sportifs un peu partout dans le monde par d'autres personnes qui soutiendraient la cause des blessés de guerre, même les blessés de guerre de leur pays, sous la bannière Opération Garder le Cap. Et en fait, de leur permettre de leur donner un peu d'argent, ça dépendra des fonds que j'arriverai à récolter, mais de leur donner un peu d'argent et en plus communiquer sur un site où derrière j'ai une agence de communication et j'ai des gens pour traduire. Et l'idée, c'est que sur le site, ce soit en français, anglais, espagnol, arabe, et vraiment créer un mouvement mondial de solidarité au profit des blessés de guerre. Donc il y a le suivi du tour du monde, plein de petits points qui se rajouteront sur la carte. Et l'idée, c'est de remplir la carte de points rouges de gens qui réalisent des défis. Et après, il y a encore un troisième volet, c'est le défi qui osera, où là, n'importe qui pourra dire je soutiens les blessés de guerre. Et en fait, l'idée, c'est de créer un peu comme du going viral. On dit, c'est sur les réseaux sociaux, il y en a des fois, ils se jettent des sauts de ils se jetaient à un moment des glaçons sur la tête en disant je soutiens, c'était la maladie de Charcot, je crois. Et l'idée, c'est aussi de lancer ce défi au moment où je partirai, toute l'année, et de dire aux gens, mais on se met en position de rame, n'importe où, dans un endroit insolite ou dans une entreprise, et je fais ce mouvement, et ok, je soutiens les blessés de guerre, moi aussi, je rame pour les blessés de guerre. Donc voilà, et l'idée, c'est de créer un défi going viral aussi, donc il y a bien trois volets. Le tour du monde, les autres projets portés qui portent la bannière Opération Garder le Cap, et le going viral, où là, n'importe qui peut dire, mais nous aussi, on adhère à l'idée, je soutiens les blessés, et quand, voilà, je fais ça pour les blessés de guerre, mais au final, tout le monde est blessé dans la vie. Et c'est je fais ça pour les blessés de guerre, parce que je suis, on va dire, je suis un gueule cassé, mais voilà, je prends n'importe qui ici, voilà, la perte de quelqu'un, un divorce, voilà, on a tous une blessure intérieure et quelque part c'est une manière que je veux véhiculer de dire mais pour se sortir, enfin pour se servir de cette faiblesse pour en faire une force et à travers le défi sportif, et bien, c'est comme ça qu'on va arriver à faire de grandes choses dans la vie. Quoi. Voilà. J'en ai fini. Allô la Terre, ici Oxo. Allez Washington. On va couper la communication. Bye bye.